Bonsoir, Monsieur Jean-Baptiste. Moi, courbé bien bas devant Oui. tout le monde, qui a coûté bon parce que ou pas n'importe qui. Alors, moi, disons, grand bonsoir, est-ce que vous êtes capable de présenter? Bon, moi c'est Beauvais Jean-Baptiste, nous sommes avocats, membre barreau du Port-au-Prince, mais ça fait longtemps, bien quelques années, en ce qui nous concerne, je me quitte PIA depuis 3 ans, m'a vu dans la diaspora haïtienne. Je dis à secondo, moi c'est yon membre MCU, ancien candidat qui a participé à l'élection 27 décembre 2020, l'élection primaire MCU, t'a organisé pour te voir un candidat en bas. Et nous connaissons qui est-ce qui remporte l'élection, c'est M. François Tunier, maintenant, qui est candidat potentiel MCU, qui représente candidat à la diaspora haïtienne. Très bien. Alors, là, nous gagnons un autre grand monsieur. C'est monsieur Jean Palais Mathurin qui est avec. Alors, monsieur Mathurin, est-ce que vous êtes capable de présenter vos auditeurs, auditrices, Radio Passion Culturelle et Porte-Voix d'Haïti? M'absaluer vous et m'abdou merci en pile, Madame Saint-Hilaire. M'absaluer avec un pile respect et Maître Jean-Baptiste Beauvais et avec qui est-ce nous allons partager et espace à soir. M'absaluer Lydia et Maîtresse Radio et avec un gros beau pouli. M'absaluer Wilson et qui la cuisine radio et n'a salué toutes amis et qui dans communauté en France et communauté diaspora captant des émissions passion culturelle et surtout après saluer toutes leaders et responsables d'associations d'organisations de communautés haïtiennes qui est dans diaspora qui que ce soit ça en Europe yo, et en France en particulier, que ce soit ça qui est en Amérique latine et en Caraïbes, que ce soit ça qui est en Amérique du Nord et États-Unis, Canada, Mexique, et que ce soit ça qui est en Afrique ou bien ça qui est en Océanie. Donc, c'est avec un pile plaisir que je joins ensemble avec vous, Madame Marie, Monsieur Beauvais, et pour que ensemble nous garder et battre bouche ensemble et faire des propositions sous État et de sortir pays d'Haïti dans la crise que nous là. Parce que nous croyons que yon nan bagay qui mette nous en ligne là et qui motive nous, c'est que dans la situation de délabrement que pays d'Haïti pouvait aujourd'hui là, il est inconcevable, vraiment inconcevable pour que quantité moun pays a gagné et quantité moun qui engagé que pays a gagné, en dedans, tant que moun qui est dans la diaspora, pour que nous quittions tout le temps ça a passé et que pays a dépéri. Dans l'état que l'on là aujourd'hui. Nous connaissons l'imba annoncé nous, mais nous tendons dans toute nouvelle. Je dis, on a tout côté qui gagne une représentation consulaire et diplomatique à Haïti. Il y a des bruits qui ont fait sur la corruption et assez élevé en dans tout ça. Même gens dans le PIA, nous pas même besoin de parler de ça. Au niveau administration PIA, administration PIA dénaturée, déstructurée complètement. Et insécurité, gangrené tout le pays, c'est gang, c'est chef de gang qui a décidé et qui côté, qui est-ce qui vient de passer, qui côté. Donc, genre de bagaille ça, et sans compter que depuis le 7 février 2021, pays a gagné en tête une administration qui est complètement illégale. Donc, les lois dans le pays, c'est pas bagaille jouer avec ça. Les décisions d'État, c'est pas bagaille monde qui jouer avec ça. Donc, c'est dire que n'a hypothéqué avenir pays, même gens nous hypothéqué déjà plusieurs générations de monde. Voilà qui ça moi-même penser que l'importance Haïti dans cœur nous d'une part mais l'importance Haïti en tant que pays sous échiquier mondial là c'est des bagailles que nous pas capable passer sous à pied joint.
Donc, c'est important ça qui fait que moi-même, je pense que l'important pour nous débattre, l'importance d'Haïti dans tout ça, c'est comment pour nous travailler ensemble pour nous sortir d'Haïti dans la saleté que l'il y a là. Donc, et voilà, madame. Très bien. OK. Là, M. Mathurin, c'est que vous êtes là avec nous vraiment pour nous débattre. Débat, c'est que nous-mêmes qui là, nous parlons parti politique, un tel dans parti politique. Mais nous voyons que patrie nous en danger. Si que nous pas mettez tête nous ensemble, tout leader yo, c'est que paysan la panglouti. Alors nous-mêmes qui dans diaspora, nous dit que faut que nous ka parler yon seule voix pour nous ka sauver paysan. Nous faire tout parti politique yo, finissez ta porte blanc. Pour nous capables de trouver une solution pour bel type noir. Alors, M. Palem, eh ben, ou non, et puis après, on a fait passer Conan, by M. Jean-Baptiste qui est avec nous, qui est un compatriote vraiment engagé. Merci encore une fois, et Madame Saint-Hilaire. Et moi, je t'ai abordé deux aspects et si bad bouche n'a fait là, je veux dire. Yon nan bad bouche ça, yon nan aspect ça, c'est concernant et comment et les différentes plateformes politiques et organisationnelles et des partis politiques et en Haïti, comment et qui démarche que nous allons comment c'est gardé là. Et pour nous approfondir ensemble de façon à ce que nous permettre que Haïti, les Haïtiens capables de reprendre confiance, les Haïtiens capables et ouais que nous faisons effort pour nous aller au-delà de tes intérêts personnels, tes intérêts de parti, pour que nous allions vers espace d'intérêt collectif qui capable de permettre que Haïtiens capables de recommencer à sentir en confiance par rapport à ça nous représenter comme opposition vis-à-vis de pouvoir en face. Ça, c'est sur le premier point. Deuxièmement, c'est comment nous capables à travers le travail qu'a fait la diaspora haïtienne, structurer et coordonner une forme d'appui à travail ça, qui c'est le premier aspect en faveur de changement qui doit être fait en Haïti. Et c'est deux bagages ça que nous allons parler ensemble avec. Donc, sous premier aspect, c'est que nous connaissons que yon nan bagay qui mettait Haïti dans l'état que lié là, c'est la division entre les acteurs politiques, c'est les petitesses entre une série de monde qui sont censés et porteurs de valeurs et qui passaient tout le temps yo dans traîner, dans impliquer dans une série de bagay qui passe. Je dis à créer un problème d'absence de confiance par rapport à un pile monde qui est dans le milieu politique et qui est dans l'opposition, qui fait que malgré toute bataille qui menait, le crédit pas capable de affecter à un monde. Dans ce sens-là, nous remarquons que toute tendance en pays a organisé des manifestations. Que ce soit et les jeunes, que ce soit les élèves de l'école, que ce soit les élèves de l'école secondaire, que ce soit l'université, que ce soit les organisations et culturelles, que ce soit ces mounes qui patronnent de jazz, de groupe, que ce soit c'est des églises protestantes, des églises catholiques, des églises vaudouisantes et toute autre dénomination, toute équipe ça a différemment organisé des manifestations pour montrer que vous voulez combattre l'insécurité, vous voulez rejeter la corruption, etc. Nous remarquons que malgré toute initiative ça a été, et 28 et février passé, ou bien un gros moment manifestation qui était un peu font congruence d'accord. Qui fait un mot créole là, c'est une quantité de monde qui fait une masse dépasser, ça nous t'a imaginé, plus passer 1,5 million de monde, descendre dans les rues pour demander que et rétablir la constitution et renvoyer l'administration qu'il a et combattre et l'insécurité parce que Haïtiens t'a rien à vivre dans le pays. Et malgré tout, nous connaissons que l'international est actuel là, et sous l'égide des États-Unis, encore très attaché à l'administration qu'il a avec Jovenel Moïse,
et l'équipe de PHTK. Maintenant, comment arriver à faire pour que détachement capable de faire? Pour détachement ça capable de faire, c'est pas chaque parti politique pas gagné pour la solliciter à travers réseau parler des trois députés, des trois sénateurs américains, des trois magistrats américains. Bon espace qui doit créer entre nous comme leaders responsables de la souveraineté de ce pays, du développement de ce pays, de l'avenir de ce pays et de sa population, de façon à ce que nous capables d'entendre nous sous la démarche qui doit mettre en place. Cette démarche, le jour que nous arrivons à entendre nous, pour nous parler d'une seule voix, de façon à ce que les éléments qui doivent constituer et le plan de travail de cette transition, le personnel qui doit sacrifier tête sur pour servir PIA, bien dit sacrifier tête sur pour servir PIA pendant phase transition ça, hein? Que travail moun sa, ou que visage moun sa, ou que réputation moun sa, ou, et que credential moun sa, ou capable afficher et que la République connaît et que au nom de toutes les collectivités haïtiennes, que la classe politique haïtienne puisse dire aux partenaires étrangers, nous pas vle sac là, nous voulons aller dans telle direction, mais avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moun, que nous discuter ensemble pour nous connaître comment moun sa yo apprenne yo disponible pour sacrifier yo dans le sens de servir la patrie pour mener la paix, la sécurité, la stabilité, le bon déroulement du processus démocratique dans la vie pays d'Haïti. Donc ça, les papes nous pas capables de sortir dans ça si que nous pas lever et lever visage, ramasser caractère nous, mais ramasser sérieux nous pour que nous chita ensemble pour nous entendre nous sur démarche ça. Lorsque nous avons fait démarche ça, certainement nous connaissons que il y a plusieurs partis politiques en Haïti et qui gagnent météo c'est dans la diaspora. Gros travail que moi-même n'a fait depuis 2 ans pour nous est-ce que nous amène le leadership diaspora haïtien à parler d'une seule voix. Dans le cadre de travail, ça, nous rencontrons plus d'une dizaine d'organisations et de partis politiques qui prennent naissance à l'étranger, qui fonctionnent à l'étranger, mais qui inscrivent en Haïti. Maintenant, il est aussi important pour les restes des autres organisations de la société civile et haïtienne de la diaspora, des organisations de développement d'Haïti créées et qui fonctionnent en diaspora, des associations des élus haïtiens à l'étranger et qui sont très actifs, qui fonctionnent. Il est important pour que tout même j'en ai regardé Sine Café, leader ou parler d'une seule voix, et bien à travers tout réseau de leaders, organisations qui sont en diaspora et qui sont haïtiens qui vivent à l'étranger. Il est important tout pour que connexion avec l'équipe qui promouvoir réforme, changement d'administration et changement de pouvoir dans le pays, que nous parlons. Pour que ce n'est pas les postes de politique seulement, postes de pouvoir seulement, que nous allons chercher à passer par les petites portes pour que parole échange. Donc, il faut que nous soyons capables en mesure de parler et de préparer ensemble. Donc, préparer ensemble, demander pour que le leadership diaspora haïtien à l'étranger à tout, organiser, structurer les coordonnées tête. Coordonner tête li à l'intérieur de chaque pays côté lié et coordonner tête li entre leadership de chaque pays au niveau international. Travail congrès à faire à permettre que nous allions vers une structure plus tard. Mais dans l'immédiat, et bagay ça n'a pas important que tu as perdu. Moi-même, personnellement, m'a parlé avec Nyong, qui c'est l'Assemblement des élus haïtiens aux États-Unis, élus haïtiens américains. N'a pas parlé avec la dimanche semaine, ça m'a bon réunion avec une série de monde qui parmi les élus et franco-haïtiens qui en France n'a continué exercice ça à travers les organisations et les associations qui a opéré au nom d'Haïti à l'étranger. L'idée c'est de parvenir à une entente pour que nous remettions Haïti sur les rails parce que tout haïtien a souffri, les Haïti souffrit dans l'état la souffrir là. Pas quoi qu'il y a rien qu'a fait jodi et que aucun haïtien senti au fier de yo au regard de façon que pays a tombé là. Pays a tombé non mais dans niveau pouvoir politique de l'état tombé dans mes deux monde qui t'a doué derrière les barreaux. Et lorsque un état laissé le tomber à ce stade côté que c'est des voyous qui trouvaient à la commande de cet état et mettre mauvais qui fait droit et en face moi là capable conscient que le pays qui arrive dans ce stade, ça, c'est que nous arrivons dans le bout là. Et lorsqu'on est dans le bout là, on est obligé de reconsidérer la possibilité de reconstruire, de refaire. Parce que il y a trop d'erreurs passées, il y a trop de mauvais bagages qui passent et qui entraînent nous toutes
dans cette situation de et tête de repère. Le pays ça aujourd'hui à dans stade que rivière, une quantité de monde qui parle au nom de pays, c'est des monde qui t'a loué des barreaux, que ce soit au niveau présidence, que ce soit au niveau et primature, que ce soit au niveau parlement, que ce soit dans l'administration, pour quantité de monde qui habilité à parler au nom d'Haïti, qui non seulement pas gain capacité, pas gain légitimité, mais qui gagne des comptes à rendre à l'État, parce que c'est le destructeur de l'État que vous avez. Donc, il est impossible pour moi, Jean-Palais Mathurin, que ce soit comme leader politique ou que ce soit comme simple citoyen, il est impossible pour moi pour continuer à croire que gon bagaille qui a retiré avec l'équipe ça qui l'a. Désolé de dire, bon, ça, je ne suis pas mon dieu extrême, balanier, mais extrémiste du tout. Malheureusement, au niveau bagaille à l'arrivée, il faut coopération en fait. Et les opérations en fait, maintenant, il faut que nous prenions les dispositions pour que l'opération elle fait et que mon opéré, la situation opéré, pas tout nos poisons, on même. Pour ça, il a cherché à faire pays à transformer là. Son pays que depuis plus de 10, depuis plus de 25 ans, il a commencé à considérer au niveau international comme un cas d'ingouvernabilité. Et son pays pas qu'à gouverner. Pour ça que fait pays pas qu'à gouverner, c'est d'abord qui est-ce monde de mettre à la commande de pays. Et c'est qui légitimité que le monde qui est à la tête de pays a gagné. Bon, je dis à nous conscients que, au-delà des difficultés environnementales et naturelles, pour les catastrophes qui frappent nous, il n'y a pas de défaillance dans la mauvaise qualité du monde qui a dirigé nous, parce que le monde a trouvé en tête l'État, alors que l'État a été doué sanctionner le monde. Donc, c'est pour nous sortir de tête, nous, d'une fois pour toutes, à partir de formes de transition calmétaire. Moi-même, je ne vais pas poser cette question sur qui tue la transition. Ça. Est-ce que la prend un an et demi? Est-ce que la prend deux ans? Est-ce que la prend trois ans? Pour moi-même, ce n'est pas ça qui est important. C'est qui travaille, n'a pas remettre l'équipe qui est chargée de faire transition, qui pas doué une équipe qui est étranger, qui pas connu réalité. Hein? Donc, il faut que mélange l'équipe qui a pris l'équipe. On a composé avec savoir-faire en série de monde qui est dans le pays. Hein? Expertise et compétences en série de monde qui est pas dans le pays, hein? Mais qui servir dans l'administration, dans les administrations des États qui permettent que le pays avance. Donc, il faut que nous mettions ces compétences au niveau du pays d'Haïti, à la fois pour que nous retoucher la constitution besoin retoucher, à la fois pour nous organiser les procès et les jugements qui doivent, à la fois pour nous revisiter les mauvais contrats qui passaient, qui piégeaient le pays, qui fait que le pays a marché en arrière, à la fois relation pays avec petit qui dehors, il faut que nous mettions ça à clair. Le plan de développement et de transformation pays, il faut que nous réfléchissions sur lui pendant une période de transition pour nous voir, par exemple, est-ce qu'on a besoin en 25 ans. Si nous mettons ensemble, nous mettons connaissances haïtiennes ensemble, est-ce que nous pas qu'à dégager un plan de reconstruction pays pour placer pays sous rampe de développement pendant 25, 50 ans qu'à venir là? Ça, on ne pense pas que l'étranger qu'a fait pour nous. On pense que c'est des travail, que c'est des haïtiens qui doivent ensemble réfléchir, engager et mettre en œuvre des démarches. Nous toujours comprendre comme économiste que très souvent, c'est pas l'argent qui empêche un pays de développer, c'est qualité et crédibilité, monde qui devant qu'à parler au nom du pays. C'est attitude, c'est comportement, monde, crédibilité, monde qui devant qu'à parler au nom du pays. Maintenant, l'argent, c'est pas ça qui est le gros problème. L'argent, nous qu'à joindre. Ne serait-ce que sous l'argent que Haïtiens gagnent, mais l'argent que Haïtiens dans la diaspora gagnent, mais toute possibilité de faire des partenariats avec le reste du monde pour que nous mettions en application des principes et des orientations de développement qui pour permettre que capitaux rentrent dans le pays, technologie qui a transféré vers le pays, et développement en termes de production de bien-être pour collectivité haïtienne, capable de faire. Mais ça, pour le fait, il n'y a pas qu'à soutenir le ciel, il est tombé. C'est haïtien qui doit réfléchir sur qui choix il y a pas. Qui option il y a pas. Est-ce qu'il y a continué à chasser haïtiens dehors pour considérer qu'il n'y a pas fait partie des communautés haïtiennes? Ou est-ce qu'il y a continué à considérer en un pays, moun ki pa gen pou koule, ki pa an anti-périphérie de Port-au-Prince, que depuis en dehors de périphérie ça, que pas fait partie de pays, non. Je crois que jodi a, li vin important pour que dans les 10 départements de pays, que nous envisager le plan de décentralisation de la République d'Haïti, de sorte que non seulement la présence de l'État doit être présente, active dans toute région en Sahara, mais il faut que les ensembles de services que les citoyens ont besoin capables de développer tout dans tous les coins du pays, à l'échelle de chaque commune dans le pays, pour que l'on citoyen besoin passeport, l'on citoyen besoin carte d'identité, l'on citoyen besoin acte de naissance, l'on citoyen besoin des documents qui vous permettent que de justifier une démarche, eh bien, il n'est pas obligé à le Port-au-Prince, à risquer la ville, risquer à venir par le fait que service à eux, c'est Port-au-Prince seulement. Donc, dans ce sens, ça, redéployer, rebattre quatre là, pour moi,
conjoncture que PHTK arrive à atterrir Haïti là-dedans, demander que nous reprenons bagaille là par la force des choses et concevoir une démarche qui pour permettre que Haïtien reprenne fierté autour d'Haïti et la crédibilité d'Haïti reconstruit. En gros, moi, je pense que c'est sous deux bagailles ça, et ces deux axes ça, sur lesquels nous avons réfléchi pour construire réponse que le pays a besoin pour qu'il sorte peut-être dans la crise ça, mais pas sortir pour un jour ni pour un régime politique. Soit-il pour Haïti, soit-il pour les Haïtiens. Et c'est ça pour nous commencer à réfléchir. Merci. Très bien. Merci, M. Mathurin, parce que nous connaissons que Porte Voix d'Haïti, c'est ça lié. C'est que nous avons depuis Chita, y parler. Nous n'avons pas besoin de poser question, pas quelques questions, mais c'est que nous avons depuis là avec nous, sur le plateau, hein, c'est que nous avons à dire. OK, on a toujours été avec nous là. Maintenant, M. Beauvais Jean-Baptiste. Merci encore, Mme Saint-Hilaire. Et me salue tout auditeur et auditrice encore. Me salue M. Palem encore. Je dis, je suis tout à fait tombé d'accord avec Dr. Palem Mathurin, qui fait toute une biographie de société haïtienne, non, de l'État haïtien. Et je dis à qui soulever conscience chaque grain haïtien authentique à travers pays et à travers la diaspora, parce que je dis à nous agenouiller. Si nous agenouiller, nous constatons déjà, la vive-li, je dis à c'est qui solution, c'est qui importance, qui contribution à porter vraiment pour nous reconstruire Haïti. Parce que le mot essentiel, c'est la reconstruction du pays. Parce que le pays a fini crasé. Pour vous dire bien que nous dit depuis près de 25 ans. Docteur Palébretier, 10 ans. Nous dit depuis après 86, près de 35 ans, Haïti a genouillé. Parce que ce n'est pas 10 ans PHTK qui me dit nous là. C'est depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, jeudi à nos jours, que Haïti a nagé jusqu'à ce que le noyé. Je vous dis, il n'y a pas rien encore. Nous, on que toutes les institutions nous ont agenouillé. Nous n'avons pas d'institutions encore. Nous remarquons que jeunesse nous a perdu. Or, c'est jeunesse qui pourrait remplacer nous demain. Tout fait en face nous, nous voyons que Haïti a péri. Je dis à nous capables d'une seule voix pour nous dire comment nous capables d'entendre nous, en dans la diaspora haïtienne, comment nous capables d'entendre nous pour nous voir, pour nous porter aux contributions en dans la société noire. Nous pas besoin de faire tout un étalage parce que Dr. Palem Mathurin dit tout bagaille déjà. Mais maintenant, ce qui est important, c'est comment nous capables organiser nous ensemble pour nous reconstruire Haïti. C'est comment nous capables unir nous ensemble pour nous porter une solution à problème ça qui en face nous. Parce que moi-même, je crois en réconciliation. Et si nous pas réconcilier, parce que nous songez que Constitution 87 là qui permettent de voter, c'est article 291 qui dit que ma coûte pas la donne. Ça permet tout le monde de affoler, de courir voter Constitution. Nous, en 2004, nous venons dire que la valance pas la donne. Jodi, dans le moment où nous arrivons là, moins d'accord pour un jugement.
Moi d'accord, ça mérite puni pour puni. Mais, ma place sur question dans l'air, est-ce que nous ne croyons pas que 95% haïtiens ou pas de prison pour vous vraiment? Même si vous n'êtes pas coupable de près et de loin, quelque part, nous capables de dire que ce n'est pas un petit groupe de monde seulement qui crase le pays. Parce que nous avons un problème sociétal. Et à travers le problème que nous avons journée aujourd'hui, c'est l'une de ces raisons qui paraît directement après tout le long râle, docteur Palem Mathurin fait. Moi, je dis, au lieu de mal râler encore pour perdre de temps, je demande qui forme de contribution, qui forme de gouvernance nous a offert pour nous reconstruire Haïti. Parce que moi, je suggère un seul bagage. C'est unifier la famille haïtienne. Côté que nous avons un problème de mentalité, nous avons un problème d'éducation. Docteur Asso dit ça là, il dit que manque de confiance. Le peuple n'a pas de confiance dans les leaders ou encore. Que ce soit à l'opposition, que ce soit à l'extérieur du pays, que ce soit à l'intérieur du pays, pas de confiance encore. Moun pa kwè lan moun encore. Parce que yo perdu toute valeur yo. Yo perdu vraiment sa crée les capacités de confiance en lan moun. Et à plus forte raison, nous constatons que 95% moun qui au timon des affaires de l'État, il n'y a pas confiance dans le peuple là. Pas grand rien qui fait pour eux. Et en dehors de pas grand rien qui fait pour eux, nous tombons sur l'État voyou. Je dis, qui ça qui interpelle conscience nous? Qui ça qui interpelle conscience, confrère moi, docteur Palem Mathurin? Qui ça qui est appelé conscience, chaque grand leader qui fait partie d'une organisation quelconque? Moi, ouais, que c'est une unité. Une unité pour qui permettre nous voyons un signe droit pour nous reconstruire Haïti. Yon unité pour qui permettre que nous arrivions à yon entente pour nous délivrer en feuille de route pour Haïti. Yon unité pour qui permettre que Haïti, journée aujourd'hui, nous dit nous voulons reconstruire, mais ça n'a préparé pour nous reconstruire, mais ça nous offre, mais service nous cabaye. Nous avons des ressources humaines déjà. Maintenant, c'est crédibilité qui va gagner. Nous avons des ressources humaines déjà. Maintenant, c'est confiance qui va gagner. Le peuple a perdu confiance. Et nous avons un problème de leadership en Haïti. Depuis 86, nous vivons dans le leadership au moins en 90. Et je dis, nous sommes capables de dire, nous pas de leader dans le pays encore. Nous sommes des amateurs. Mais un vrai leader, sacré les leaders, leadership là, nous pas de encore. Sous un groupe monde en monde, nous mettons compte de 1000 gouttes. Il faut identifier le problème. Et je dis, qui ça a sauvé Haïti? Si je comprends les détails vraiment à travers la reconstruction du pays, de ça, docteur Mathurin dit, n'allez directement sur un gouvernement fédéral, un État fédéral. Et que nous d'accord,
Parce que, je ne j'ai dit, si nous tous les deux aussi ensemble, nous proposons une forme de gouvernement fédéral, nous croyons que Haïti a gagné chance. Moi, je n'appelle pas maintenant, ce n'est pas appel pour me dire moins qu'à faire. Son appel pour me dire que jodi a plus forte raison, tout leader dans l'international là, qui fait partie à travers des organisations, tout leader qui fait partie à travers des organisations en Haïti, c'est nous pour mettre nous ensemble pour nous retirer le pays dans ce sac là. Jodi a, ça fait la peine. Pour nous, chaque grain qui l'a, le n'a pas gardé pour nous être à pays. Il a interpellé la conscience, moi, même j'ai interpellé la conscience docteur Mathurin, il a interpellé la conscience madame Sétilère, il a interpellé la conscience chaque grain qui est grand au pays. Mais je dis, est-ce que nous entendons nous dans la diaspora vraiment? Est-ce que nous comprenons qui nécessite qui gagne pour entendre nous? Pour nous voir si nous avons sorti le pays dans sa lié. Ce n'est pas, je dis à, m'a dit docteur Assa, sincèrement, je dis à, peuple pas quoi dans le bel discours encore. Peuple a quoi l'action. Et je dis à, ce n'est pas discours là qui a sauvé le pays, c'est action qui a sauvé le pays. Parce que nous bouquons pour un discours. Et nous bouquons par discours tout. Je dis à ces chiens d'action. C'est vine droite pour nous dire, mais ça n'a fait. Comme moi, me proposer le droit, moi, dis que seule chance Haïti gagne, si nous avons uni nous. Ensemble, pour nous porter une solution ensemble en la société. Je dis à M. Beauvais, pas qu'a dit que il y a clé problème dans la main. Docteur Palem Mathurin pas qu'a dit que des clés pour même dans la main. François Tunier pas qu'a dit que des clés pour même dans la main. Mais si Beauvais, docteur Palem Mathurin, François Tunier et tant d'autres leaders toujours à travers toute communauté yo, chita ensemble, nous cajouons nos solutions, en solution ensemble pour le pays. Quel que soit moun kap vidan, je ne crois pas que vous avez une solution pour le pays. Parce que les malades sont tout col. Je dis que ce n'est pas grand étalage. Ce n'est pas de grand discours que nous avons besoin. Nous avons besoin des hommes qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont voué des signaux pour nous clairs pour nous connaître comment nous avons retiré le pays. Le marasme que l'il y a, la situation que l'il y a. Parce que la situation, nous constatons, nous vivons. L'essentiel là, c'est qui solution. Est-ce que moi pour élection ou est-ce que moi pour transition? Sincèrement, conditions pas réunies pour dans l'élection à Jovenel Moïse. Pas de confiance. Pas de sécurité. Pas de absolument rien. Qui peut me garantir mal l'élection avec elle. Est-ce que moi pour une transition? Oui, ça va permettre que transition travaille d'arrache-pied. Et lui préparer une élection crédible et honnête pour nous. Ça veut dire que moi pour transition, mais en même temps que moi pour transition, qui voit moi en tant que leader à travers la diaspora haïtienne? Voit moi, c'est chita à tout confrère, toute consoeur, toute petite pays, toute force, vive nation. Hein? Pour nous faire échange d'idées, pour nous voir
qui forme de solution, qui forme de gouvernance, je dis, qui cap à la portée de Haïti pour nous reconstruire Haïti. Ce qui veut dire que frère Semyo, moi-même, moi pour union, moi pour l'unité, moi pour fraternité, moi pour Haïti, parce que ça qui intéresse, c'est pas que M. Beauvais besoin gérer, M. Beauvais besoin que Haïti en paix. Il besoin que yon Haïti qui vivable, il besoin yon Haïti pour jeunesse liya, il besoin pour yon Haïti que côté que l'homme besoin pour ti repos, m'ka descendre à l'aise sans que sauter m'bre repos la kaye mwen. Besoin Haïti en paix. Parce que m'a fait tout l'étalage encore une fois, parce que m'a l'impression que docteur Mathurin gata consulté malade là, li gata font prescription et l'oué tout problème malade à gagner, m'a pas besoin de reconsulter l'encore. Alors maintenant, ça fait que m'a rentré, qui forme de proposition nous kapé Haïti? M'a pas idem, la proposition, comment nous kapé reconstruire pays? Ok, chère madame. Eh bien, bon, moi dis un grand merci d'être côté qui a participé avec nous. Mais t'as le nom pas bail dernier mot, mais docteur Mathurin. On t'a dit que pas Jean Briston que gagne et aux prescriptions et couler dans béton au pays. Même ça avec un pile monde qui est intéressé. Vous m'excusez ma promotion, docteur Mathurin. Pas dit oui. Ça. Moi, connais-on. Pas fait ça. Non, merci pour... Merci pour... Merci pour ces appréciations. Et m'écrit là où. Merci. Non, mais c'est dire que pas quoi que on seul monde une solution à problème. Que soit-il pays à nos alliés, la demande que l'on appelle qui fait vers des Haïtiens de bonne foi et de bonne volonté. Il y a un problème que nous avons, c'est un problème de règles et de respect des règlements. Donc, il faudrait que, entente la parler, il faut que des marges d'entente ont une compréhension qui est ouverte et qui traverse différents groupes d'Haïtiens. Moi, j'ai marqué que perdre de confiance pays, c'est pas seulement effectivement dans le pouvoir ça seulement. Et perte de confiance pays a commencé même au-delà de 90, au-delà de 86. Parce que si pas de perte de confiance dans l'administration qui est là avant 86, là, pays a toujours en bas des duvaliers, je dis. OK. Maintenant, nous arrivons dans ce stade de nous arriver, pays a pas arrêté et sous-développé dans toute bagaille. Pays a une quantité de monde, un peu plus que 4 millions là-dedans, qui vivent dans des pays extrêmement sophistiqués, extrêmement avancés. Même genre, il y a des monde qui vivent en Haïti, qui vivent dans le même standing de vie qu'on monte à Los Angeles ou bien à Paris, en dépit de toute saleté qui vient dans le pays, de toute mort que nous avons traversé sur nous les matins pour le travail, en dépit de quantité de fatra et de gros senti qui tout côté en dans le pays, et notamment autour de capital pays. Ça n'a pas empêché que nous seul équipe monde pas jamais capable de réunir toute capacité pour que l'on dit mais il y a toute solution. Dans ce sens, ça, effectivement, pas dans l'idée ni d'extrême ni d'exclusion. Il est important pour que ce soit les Haïtiens, chaque fois que je parle des Haïtiens, que l'on est dans les deux pays, pour une majorité là-dedans, dégager le leadership de façon à ce que yo mette yo à contribution pour permettre à ce que pays a s'il rentre dans l'autre transition que transition ça c'est pas deux trois grands monde seulement va le permettre qui profiter pour enrichir permettre deux trois grands monde gantan marer ou et mal fagoter un contrat qui mettait un tube dans gorge pays a pour sécher ti l'argent qui prend dans pays a que c'est pas des contrats qui mettait à disposition de monde pour capable faire contrebande pour contrôler les ports d'accès à produits que le pays a besoin et qui bloquait la capacité haïtienne qui a aimé participer dans mettre et opportunités de développement accessibles dans le pays.
Non, c'est ça. Et en termes, les termes qui sont utilisés et mettre Beauvais poser mon petit problème. Et le fédéralisme, c'est un type d'administration dans l'espace national et même genre et que ou bien dans le cas de la France ou sous l'Europe, non, état pratiquement l'Europe presque fédérale, c'est pas qu'une fédérale. Et par rapport aux États-Unis, qui c'est même un état purement fédéral. Oui. Construction pays et taille et dimension pays définit tout en partie quel type de pouvoir que l'on est capable d'aspirer à mettre en place. Et nous connaissons que, effectivement, si c'était une administration fédérale qui créait compétition entre les 10 départements en pays, l'État probablement porteur beaucoup plus d'opportunités pour PIA et porteur plus de développement pour PIA. Mais en attendant que nous allions, et ça, son décision, tu as de soumettre à appréciation des citoyens haïtiens avant même d'engager le processus d'actualisation de constitution. Parce que ça, c'est des questions importantes qu'il doit aborder à l'intérieur du débat collectif qu'il doit faire sous choix que n'a pas une société. Donc, pas pour dire que c'est une administration en tant que tel. Par contre, moi, je crois qu'une démarche de décentralisation effective de pays qui concevoit les possibilités de ramener les opportunités de développement en mettant à valeur les opportunités qui existaient dans chaque département dans le pays, qui permettent à ce que les services publics, les opportunités publiques, les accès aux opportunités publiques qui existaient, pas n'importe où, mais seulement que vous venez dans un autre. Comprenant que développement pays, c'est pour un bagage que l'État lui-même, et dans tout pays, nous avons développé. L'État, c'est le leadership là que le bail. Et c'est la qualité de monde qui est dans l'État, qui est important. Lorsque vous voulez développer une région, et tant que la Tibonite, il faut que diagnostic qui mettait en évidence potentiel qui est dans un Sahara, et il faut que acteur politique qui va le pouvoir dans un Sahara, baille tête sur responsabilité pour mobiliser les compétences et les moyens et attirer les potentiels et acteurs qui aillent dévaloriser pour faire développement et mise en valeur de potentiel qui nous ont ça. Même genre le valable pour les 10 autres départements dans le pays. Maintenant, pour arriver à faire ça, les mandats que qualité moun pour mettre pour représenter pour diriger, ce n'est pas des moun qui doivent pêcher pour tête pas. Ce n'est pas des moun qui cherchent une opportunité pour tête pas, qui voient comme pas si pas là pour tête pas, qui quimper les espaces qui ont construit port dans le pays pour permettre nous ouvrir nos commerces extérieurs, les espaces qui ont produit manger dans le pays, les espaces qui ont produit légumes, les espaces qui ont fait activité industrielle, pour que l'espace soit dédié à des activités qui baillent emploi et qui mieux payent et qui permettent à ce que l'on a ici en Haïti le capable de joindre accès aux soins de santé, parce que les salles, le travail, il y a une bonne couverture d'assurance. La bonne possibilité pour le cas acheter machine que vous voulez, la bonne possibilité s'il bague machine pour que le réseau de transport public en commun, transport public et transport en commun, pas obligé on bagaille qui est aux mains de l'État. Même genre les infrastructures autoroutes, même genre les infrastructures hospitalières, même genre le logement, pas doué ou bien pour l'État uniquement. Tout ça quand dans le pays, c'est pour l'État haïtien. Mais ça veut dire que bien ça n'a pas doué pour le gouvernement, ni pour des mondes qui sont obligés de passer dans le portefeuille du gouvernement pour être capable de prendre bien ça au météo à leur service. Je veux dire, malheureusement, c'est ça qui est. Donc si la décentralisation, si on engage la décentralisation, tout haïtien qui est originaire d'Haïti, qui a vu n'importe quel autre pays, qui connaît que les capables d'acheter terre, il a construit, il a acheté appartement, ou il a mobilisé l'argent pour construire des chaînes d'appartements, pour mettre en valeur les hôtels, mettre en valeur les routes, mettre en valeur les sites culturels et historiques dans la zone de la Caillou, mettre la culture de pays en position pour que le bail ait un rendement, que le capable bail, etc. Donc, je ne pas croire que c'est obligé de partir sur étiquette et fédéralisme ou pas, mais l'important dans ce qu'on a cherché, c'est mettre les Haïtiens au service d'Haïti et mettre Haïti tout en situation pour mieux servir les Haïtiens. Et ensemble, les A, on est capable de permettre d'engager Haïti sur les rails du développement et de la transformation. Maintenant, faire travail ça, ce n'est pas une question de discours, encore une fois. C'est que le pragmatisme veut que tout pas qu'on fait ou pas qu'on fait, malheureusement. C'est qu'on fait qui fait. À part ça qui passe là, en plus, mon petit Jean-Vex et M. Beauvais, chaque fois, moi-même, Dr. Jean-Pascal Mathurin, mon parole dans l'affaire politique. D'après eux-mêmes, nous avons été le technicien, le technicien, le technicien. Mais l'autre technicien travaille, il offre les opportunités, il convainc les intéressés, que c'est haïtien, que c'est étranger,
pour mettre COP, mettre technologie, mettre transfert technologique, mettre opportunité dans le pays. Laissez-moi mauvais vagabond nous mettre dans tête pouvoir politique là. Yo même il a passé à côté, il a bloqué le projet ça parce qu'il a fait des négociations pour être capable de faire COP, pour être capable de jouer une commission. Et nous demandons des commissions pour élever, pour faire payer, a perdu l'opportunité ça. Donc, au moment où il vient énerver mon qui est éduqué, mon qui est compétent, yo, pour nous dire tête, nous, on hey, on nous lève tête, nous, on nous garde chercher autour de nous. À qui est-ce nous capables de travailler pour permettre que le pays a bénéficié un peu de ça nous-mêmes nous y est, de ça nous gagner. Donc, dans ce sens-là, on n'est pas capable de faire un nettoyage. C'est tout Haïtien qui a invité à participer dans la construction, dans la reconstruction du pays. Mais pour Haïtien, ça a senti en confiance, il faut que vous correction passe à ça qui baille tout l'État, à ça qui vole le pays, à ça qui détruit le pays, à ça qui mine le pays. Et sanction, ça a pris différentes formes. Ou même dans la justice, ou qu'on ait différentes formes côté qu'on a sanctionné au monde pour éviter à ce que les pas continuer à détériorer le bien-être collectif, le bien-être des citoyens. L'image de l'État haïtien, par exemple, tellement détériorée aujourd'hui, hein, tout haïtien qui vont côté le 48, dès lors que s'il y a possibilité de dire présenter tête son l'autre nationalité, ça passe. Mais dès lors que il dit que c'est un monde, c'est un haïtien que lié, automatiquement, il attirer des réflexions, et très souvent, réflexions, ça n'est pas intéressant. Donc, si pour nous bailler ici une réputation, pour nous bailler ici une bonne renommée, pour nous bailler Haïti une meilleure image, l'imander, il faut que y ait des nettoyages qui fait. L'imander tout, il faut que y ait des valorisations qui fait. Et l'imander pour que des monde compétents, des monde honnêtes, des monde qui remet monde, qui remet pays. Hein? Parce que, en fait, on rend compte que grand pile monde qui a soucié pays, hein? Mais pas remet pays. Hein? Il y aurait même richesse pays, il y aurait même pouvoir, il y aurait même représentation que pays a offert. Mais on ne parle pas pays. Donc, on a aimé que le monde sache qu'il aime pays, qu'il a servi pays. Moi, je travaille pour ça, je suis bien content pour faire ce qu'on fait. Et je vois même message là-bas, en pile, l'autre leader qui a attendu l'émission. Que ce soit le candidat que MCU est sélectionné pour le mettre et représenter. Même genre avec tout l'autre groupe leader qui est dans la diaspora, même genre avec les leaders qui sont en Haïti. Moment arrivé pour que moun sérieux qui voulait qui remet Haïti et qui remet Haïti progresser. Moment arrivé pour que nous pas gêner, nous pas payer une lot, pour que nous apprenions, apprécier une lot, accepter le débat contradictoire, accepter que nous mettez les règles du jeu, reconnaître et respecter l'engagement que nous prenons, de façon à ce que nous capables jeunesse pays et jodi et qui est exposé à toute forme de risque, qui est exposé à toute forme de dépravation tout. Et que jeunesse là capable de jouer de repère pour progresser. Paysans haïtiens, qui par contre a qui simple pour les jodia là, par rapport au niveau de misère que a exposé à eux, et bien que le monde est capable de vivre, réfléchir différemment et vivre différemment. Mais tout, femme yo dans le pays. Femme yo qui c'est un gros pilier qui paye nous, qui paye études nous, qui paye caille pour nous, qui fait tout bagaille, parce que c'est seul nous, c'est maman nous, c'est bagaille. Ou bien, en plus là, nous, c'est Mario qui fait. Mais, comme nous dans le pays, il faut que nous arrivions, mettez le pays en condition pour que tout le monde soit senti bien là-dedans, les bails contributions. Nous, il y a un pile d'injustice qui fait par rapport à Haïtiens qui ont vu des gens. En pile injustice. Et il y a un pile scandale qui a pété là, qui a traduit en partie dans l'injustice. Par exemple, les prix des services citoyens que l'État a une exclusivité pour l'offrir. Par exemple, leur besoin de passeport, leur besoin de carte d'identité, leur besoin de papier de l'État haïtien, leur besoin de permis de conduire, leur besoin de n'importe quel bagage que l'État a une exclusivité, on rend compte que Haïtien qui dehors, ils ont pénalisé beaucoup plus encore. C'est comme si pour décourager, pour ne pas demander l'État haïtien service. Regardez ce qui a passé là. À Paris, il y a un an depuis qu'ils ont payé mon passeport, ils n'ont pas recevoir. Et les gens qui qualifient, ils n'ont pas attendu au goût mentalement parce que peut-être qualification, ils ont un peu de sagesse. Et qui fait que ils ont passé sur une série de problèmes parce qu'ils ont concentré sur les problèmes les plus importants. Mais pour la grande majorité des Haïtiens, la diaspora, que le Chili, que le Brésil, que les États-Unis, au Canada ou en Europe, les défis de service que l'État haïtien doit réparer vis-à-vis de Mounsaharo, eh bien, il demande de compréhension de monde qui parle chita pour diriger le pays, pour dresser le problème Saharo et éviter que Haïtien pas embarrassé. Parce que là où monde quitte ton pays pour aller chercher l'opportunité de l'autre côté, le pays doit être en PDL, à l'appui pour arriver, joindre ça à la chercher. Au contraire, Haïti croque et colle en gorge en pile haïtien à l'étranger pour joindre l'argent.
Parce que c'est l'argent seulement qui intéresse le monde qui a dirigé le pays. Mais je dis, il faut que nous menions une équipe, un leadership dans le pays qui a compris les défis et les besoins que les Haïtiens qui ont deux pays à confronter pour faciliter et une solution à la bagaille. Et parallèlement, encourager le monde à engager fermement. Parce que retraité haïtien déjà, l'argent retraité haïtien a transféré, je dis, à la République dominicaine ou vers les États chauds des États-Unis, nous pas qu'à imaginer. Même genre, et moun yo, le moun yo kon laj rive à la retraite, nous t'a remè retourner à la caillou de préférence. Mais comment font ka ofri yo la sécurité, font ka ofri yo la possibilité de circuler dans le pays, faut que restaurant ka marché, faut que l'hôpital ka bien, faut que nous ka en partenariat avec les grandes institutions de, d'assurance maladie dans le pays l'autre boyo, qui pour permettre que moun sa avec assurance que rien dans la France ou bien aux États-Unis, l'entre en Haïti, le ka servi avec. Donc c'est faut nous réfléchir sur ça. Donc les débats doivent faire entre nous même leaders. Il faut le parler de mon bagage quand l'est. Moi-même, je suis très pratique. Je suis très pratique. Je suis très pratique. Je suis très pratique. Dans chaque département, avec ça qui est disponible là-dedans, que ce soit en ressources minières que rien, que ce soit en ressources maritimes que rien, que ce soit en ressources agricoles qu'il y a, que ce soit en termes de monde qui est dans le département. Je ne suis pas parti sur mon bagage quand l'est. Je suis parti sur des exemples très concrets. Je suis bien content et bien ouvert pour connaître que nous, c'est des mondes qui sont livrés. Donc, on a cherché, on a cherché un bagage pour Haïti. C'est pour Haïti pas capable. Bon, je dis à un monde que nous y a là, et c'est pas un monde côté que le pays a fait l'autre pays cadeau, mais tout pays qui prend. Pour que ça nous-mêmes nous pas capable. Pour nous permettre que Haïti prend pour Haïtien. Et c'est dans ce sens ça m'engager moi. Donc m'a attendre et m'a relayer, m'a continuer frapper porte les uns les autres et m'a remercier et madame et avec l'équipe qui dans radio et passion et créole. Qui dans ici là même genre tout à l'autre radio qui en liaison avec émission ça même genre avec l'autre radio aux États-Unis ou bien en Haïti qui a pour transmettre émission ça n'a profité de l'espace là pour reler haïtiens qui connaît yo remet Haïti qui dans organisation politique dans organisation sociale n'a reler yo pour dire que moment arrivé pour que nous chita ensemble pour nous définir chemin de sortie. Là qu'on y a pour nous piloter chemin de sortie, maintenant en tant que tout le monde n'est pas qui pour en apprendre pour nous désigner qui est notre galmeté, qui pour assurer leadership là et qui est ce qu'a supporté avec leadership là pour que ça cap délivrer. C'est pour bagarre qu'a fait pour docteur Jean-Baptiste Mathurin. Ça qu'a fait c'est pour les Haïtiens pour le faire. Pour les Haïtiens. Ok. Et c'est pour tous les Haïtiens et c'est pour Haïti pour le faire. Moi-même pensais que bénéficier assez de pays. Hein. Et je continue à bénéficier. Puis le monde qui a peur pour dire que c'est haïtien, mais moi-même, quand je dis que c'est haïtien, c'est grâce à ça qu'on fait, ni pour Haïti, ni pour l'autre côté, qui bat toute fierté pour dire que ah non, nous connaissons que capable de faire ça. Donc, il y a que tout haïtien, quand mesure de des pays à faire des bagailles, que nous acceptons chez nous ensemble. Moi-même, pas condamné avec tête pour dire forme président. Non. Si il y a des gens qui sont capables de mener nous, nous travaillons ensemble pour mener le monde, asseoir comme président. Entendre nous sur le programme d'administration qui a transformé Haïti, moi-même, j'en parle de Mathieu, je suis prêt pour me contribuer à ça. Mais tant pis, pas mandem ma chita des volets. Pas mandem bon gal mette des volets à marcher devant. Pas mettez mal mette des analphabètes à marcher devant. Après, elle fait nos comptes demain. Pas mandem bon gal chita des mouns qui gagnent des dettes à payer. Pas mandem des assassins, des kidnappeurs, des gens. Pas mandem pour faire ça. Mais tout Haïtien de bonne volonté, compétent, honnête, sérieux, aimant Haïti, patriote, qui est disposé pour faire travail ça, moi-même, je suis disposé pour me chita. Je commencé, si je prends pour commencer, non, mais non, monde que je souhaité qui accepte tant d'appel ça pour nous chita ensemble, nous plus qu'on 50 ans. En termes de monde qui porteur d'idées, de projets pour candidat à la présidence. Je t'ai aimé, nous tous 50 ans, ça, chita ensemble. Et nous décider une stratégie pour nous mettre PIA sur les rails. Les rails. Nous attendons nous sur 25 ans pour nous lancer. Et là, nous arrivons à 15 ans, et même fort bon plan de 50 ans d'expansion. Et de grand développement d'Haïti pour ta sortie. Parce que je dis là, demain si je vais me mourir. Jeunesse là, je dis, il faut nous préparer pour que jeunesse là, mesdames, les jeunes garçons, reprend le pays et continue le progrès. Parce que nous n'avons pas qu'à nos pays pour que ces machins rien à faire. Il faut que nous commencions par parler de progrès. Donc nous avons besoin de monde qui progressiste. Nous avons besoin de monde qui remet monde, qui remet Haïti. Nous avons besoin de monde pour qui compte travail, qui ne sait pas jouer seulement pour jouer. Nous connaissons même gens en Haïti plein vicieux, plein volé, qui cherchent un côté pour le sous-tésor. Même gens dans la diaspora, il ne faut pas perdre. Mais ensemble, si nous travaillons, nous mettons des opportunités, plus d'opportunités, plus Haïti a pu vivre.
Parce que tout haïtien qui te paye, c'est travail, le travail pour te aller. Donc si nous te créer travail dans le pays, pour jouer un travail, nous créons cadre de vie pour nous. Nous créons une bonne université pour petit yo ka joindre. Nous créons bon soin de santé pour petit yo ka soigner. Et nous créons bonne infrastructure qui pour permettre que la logistique a fait autour de nous. Même pas pour être le pays d'Haïti qui a pris l'état de la routine. Donc, redresser le pays, rebâtir le pays, vraiment, c'est travail nous que lié. C'est travail nous toutes. C'est pas travail ni Dr. Mathieu uniquement, ni M. Beauvais, ni Mme et Marie Saint-Hilaire. C'est travail nous toutes. C'est le collectif des Haïtiens. Il faut nous apprendre à travailler ensemble. Esprit d'équipe. Mais pas dans ma loi. Pas dans ma loi. C'est travailler ensemble dans le bien, dans la lumière, pour créer une opportunité pour sauver Haïti. Mais c'est pas dans. Ce n'est pas un petit bagage, un petit coin, un petit bagage sale. Non. Je m'en rappelle, je m'en finis sur trois bagages sales. Il y a trois bagages qui marquent la vie. C'est trois bagages que je combats depuis le petit monde. Le premier bagage, là, c'est la misère, la pauvreté. Ouais, depuis que je suis dans la misère, la pauvreté, eh bien, là, toujours pensé misère, pauvreté, petit bagage de la vie. Moi, je me pense riche, je me pense bien. Je me pense bien pour le plus grand nombre, parce que dans le pays côté nous, il y a plus de monde qui est riche. Mais le monde va occuper de l'affaire, tout le monde va occuper de l'affaire par eux et de l'affaire l'État, l'État géré. Et le deuxième bagage là, c'est le bagage pitié. Vous marquez en Haïti, tout le bagage qu'a fait, c'est des petits crasses bagages qui vont éviter. Donc, moi-même, pas capable d'aller droit parce que vous connaissez ça déjà. Donc, remet entreprendre de gros bagages qui vous permettent que, en pile, le monde qui travaille et plusieurs générations qui bénéficient. Il faut regarder, par exemple, le travail d'un coup. Port touristique là-bas dit, et depuis tant que là-bas dit, il avait exploité, tant que Dr. Mathieu n'a pas aidé pour construire le port touristique là-bas dit, on n'a pas recevoir le plus gros navire de croisière dans le monde aujourd'hui, malgré tout ça qui a parlé d'Haïti, et pourtant c'est là où aller. Et c'est deux infrastructures portuaires seulement dans le monde qui a recevoir et bateau qui a rentré là-bas dit aujourd'hui. C'est Haïti et c'est port évêque, sinon c'est port côté où construit bateau ça. Donc ça veut dire, même genre, le parc industriel de Caracol, son bagage qui capaille 250 000, 500 000 jobs, et les jobs les plus qualifiés. Mais pour qu'arriver à faire ça, c'est qu'il faut qu'on projette avec PIO, parce qu'il n'est pas privé au seul coup. C'est qu'il faut qu'on prenne disposition en grand, et de façon à ce que l'on projette, et bien, l'on regarde dans 15, 25 ans, et bien, laisse ça, on regarde, il y a 50 000 monde qui a rentré sorti à travailler dans ça, qui a créé richesse, et qui a exporté. Et dernier bagage là, c'est bel bagage. Moi, je ne vais pas vivre dans la saleté. Moi, j'aime les belles bagailles, moi, j'aime les bagailles qui propre. Et c'est pour ça que moi, j'aime les gens qui ont chance à l'école. Parce que j'espère que nous comprenons que les gens, que les parents font tout sacrifice pour vous aller éduquer, les préparer, les lier, c'est vous, moi, ça. En retour, la société doit bénéficier de belles bagailles de nous. Et c'est ça qui fait que moi, j'aime pas aucune hésitation pour investir dans les Haïtiens. Je m'enseigne, je continue à enseigner. Je bâti une université privée avec de l'autre partenaire. Et je renforce une université d'État. Parce que, en pile, monde pas capable de rêver, instruit, formé, préparé, à quelque niveau que le besoin. Si que l'État va offrir l'opportunité pour capable de faire. S'il le faut pour nous bailler meilleure qualité d'enseignement, faut que le monde financier, eh bien, l'État a mis en place des dispositifs pour garantir les dettes des enseignements. Et l'on, monde, c'est prêté pour former tout, ou sentir une responsabilité pour travailler tout. Et pour travailler durablement, pour ne pas bon monde. Donc, en gros, vous voyez que, si nous combattons la petitesse, si nous combattons la misère et si nous combattons et la saleté, nous ouvrons espace pour que les Haïtiens rentrent et participent pour nous faire développement pays. Voilà, madame, excusez-moi, je prends un petit peu plus de temps et mettre Beauvais et madame. Mais c'est normal. C'était important pour moi pour me partager ça ensemble avec vous. Et fort de la bonne haïtienne. Au contraire. Et moi, je remercie au docteur et je remercie Mme Saint-Hilaire. Mais vrai appel solennel que nous avons fait à jeudi à Force des Nations. Et nous voulons faire un appel solennel avec tout secteur qui est dans la diaspora. Jeudi à le arriver pour nous entendre. Pour nous entendre, nous. Le arriver pour nous rencontrer ensemble. Le arriver pour nous travailler ensemble, parce que bataille là, ce n'est pas une bataille Docteur Palem Mathurin, ce n'est pas une bataille Beauvais Jean-Baptiste, ce n'est pas une bataille d'un grand individu. C'est bataille nous, parce que Haïtien pour Haïti, Haïti pour Haïtien.
Je dis à plus forte raison qu'on dit docteur là. Nous sommes loin. Nous aimons prendre beau centre. Nous aimons le nous à l'aise, les bagages à trois. Nous aimons lorsque nous avons vision, nous travaillons ensemble, nous avons esprit d'équipe. Nous aimons lorsque nous avons un paquet de ressources humaines qui sont capables d'aider Haïti. Je dis à que l'IMCU, que le docteur Mathurin, nous mandé, nous tendons nous pour nous ouais si nous même la diaspora va réunir nous ensemble. Ensemble nous travaillons ensemble. Ensemble nous choisissons ce qui est bon pour le pays. Ensemble nous pouvons nous reconstruire Haïti. Côté où va gagner bon gens. Institution. Institution qui bien campée. Comme dicton dit, la justice élève une nation. Mais pour une bonne justice, il faut vraiment ou gagner un État fort. Et l'État fort, là, c'est nous tous pour qui mettre la donne pour nous construire ensemble. Peuple haïtien, on suspend faire cavalier seul. On nous aller ensemble. On travaille ensemble. Parce que je dis, chaque fois mal là, il fait mal tout. Je dis, nous tous des problèmes. Nous pas obligés à goumer. Le a elle parle pour nous goumer encore. C'est apaisant à chaque grain de monde dans la diaspora. À chaque grain de monde qui est concerné de ce qui passe à Haïti. À chaque grain de monde qui sentit, je dis, Haïti est appelé. Je dis à nous, nous avons un leader, un gros leader, qui c'est Dr. Palem Mathurin. Nous avons un MCU, qui c'est François Tunier. Je dis à Mandé, c'est unité qui est important. Si nous ne pouvons pas unir nous, nous ne pouvons pas pays. Et je dis à si nous besoin, vraiment, nous-mêmes qui la diaspora, si nous besoin, nous avons droit à nous, pour suspendre, utiliser nous. Parce que nous avons comme nous, nous ne pouvons pas nous participer dans rien en Haïti. Nous avons ressources humaines nous, mais nous ne pouvons pas nous travailler, poser pion dans le terrain. C'est nous pour organiser nous et pour nous voler de descendre. C'est nous pour mettre nous ensemble. Pour nous dire nous aimons Haïti. Et si nous aimons Haïti, nous obligés. Chita. Pour nous faire débat contradictoire. Nous discuter ensemble. Et pour nous sortir à une solution. Pour nous sauver Haïti. Mes amis, moi-même, je n'ai pas l'autre problème. Le problème, c'est Haïti. Et si le problème, c'est Haïti, je ne vais pas être tête. Moi, nous-mêmes qui cachita ensemble, nous discutons ensemble, nous travaillons ensemble, et puis nous disons bon, nous posons mais nous voyons, il y a un monde qui défend la cause pour nous. Alors, m'a dit merci à Madame Saint-Hilaire. M'a dit un grand merci à Dr. Palem Mathurin. Et moi, connais, ni engager le travail, travail n'est pas facile. Même j'ai engagé, je connais pas facile. Il est très difficile. Parce que nous avons un problème de mentalité, nous avons un problème d'éducation. Mais simplement, je connais à l'aide du grand architecte. N'a pris, mettez tout à ici chita ensemble et n'a pas joué porte de soutien. Parce que détermination, c'est reconstruire Haïti. C'est un Haïti de demain, nous tout à rêvé. Nous pas d'arrêter mais rêve encore. Nous d'arrêter nous chita, c'est nous mettez main dans la patte là pour nous Haïti nous rêver. Nous avons jeunesse
qui maintenant qui confiant, puisque confiant, yo capable épanouir plus ou moins demain qui cap prend la relève de nous en tant qu'ni. Docteur Mathurin, moi je merci puisque nous te cachita pour nous parler ensemble et moi connais ces premiers parler à et n'a fait tout temps nous n'a parlé ensemble pour nous voir qui ça nous capoter pour Haïti. Tout le monde qui t'a écouté nous, merci madame Saint-Hilaire. Merci, merci, merci. Docteur Mathurin, moins content et me dit merci puisque vous offrez tête en holocauste pour sauver Haïti. C'est responsabilité pas nous. C'est responsabilité mais nous pas qu'à faire pour compte. C'est à nous tous ensemble qui pour choisir les meilleurs pour mettre devant ensemble. D'accord, bien. Eh bien, nous dit franchement, un grand merci, Madame Lydia Wilson. Un grand merci parce que Docteur Mathurin est là avec nous. Alors, au prochaine émission, et c'est que nous allons essayer et travailler avec Docteur Palem pour être capable vraiment présenter pour le peuple caponais qui est lié vraiment. Parce que moi-même, je ne suis pas de là. Moi, je viens découvrir et même t'as aimé l'autre monde aussi découvrir Docteur Palem, genre que et nous gagnons avocat. Nous, moi-même, pas de connaître s'il était avocat, et bien, il est capable de défendre nous. Alors, c'est ça qui fait la émission, ça va commencer vraiment pour nous connaître à qui est-ce que nous en a fait. Voilà. Est-ce que nous gagnons l'autre monde, nous capable ajouter? Est-ce que c'est bon pour nous? Bon, le mot que m'a ajouté simplement, c'est remercier chaque grain haïtien potentiel, authentique, qui croit dans le changement pays d'Haïti et qui a marché main dans la main pour nous construire Haïti vraiment. Alors, moi, je dis chaque grain haïtien, d'ores et déjà, merci et nous croyons en vous. Oui, donc, moi-même, m'a fait profiter pour on dit courage à toutes les femmes haïtiennes, selon moi, et faites mesdames, aux commémorations internationales de femmes. Et m'a dit au courage, parce que ces femmes qui font petite, et c'est même gentil, Haïti, et a souffri, ils sont mamans qui n'ont pas passage là. Donc, m'a dit pays, prends courage. Comme j'en ai dit, toute famille, toute jeunesse là, prends courage. Prends courage parce que là où on est qui s'accroche mal, on peut chercher plus facilement traitement pour lui. Et prends courage et rapprochez-nous. Ça, c'est un message que m'a posé par les leaders, aux femmes, aux garçons, en Haïti, dans la diaspora. Les gens qui veulent payer à avancer et progresser, rapprochez-nous. Parce que, l'entente à jouer après sur qui est-ce qu'on mettait devant. Parce que l'on équipe football, si Haïti gagne, c'est considéré que nous avons le mondial et que nous champions. L'équipe qui a le champion, qui est champion, quel que soit le rôle joué à te jouer dans l'équipe-là, eh bien, les champions. Donc, plutôt nous battre pour que nous fassions une belle équipe et que l'équipe ça a gagné, eh bien, nous toutes avons bien médaille de champion. Donc, c'est ensemble pour nous faire. Donc, je vais encourager nous. Chercher, identifier côté n'a pas mis tes pieds nous à qui est-ce n'a pas mis tel parce que ça n'a pas le fait ensemble pour sauver Haïti. Il doit servir au-delà de nous-mêmes. Et ça, mais à saluer et confrères nous et tout le monde qui a investi pour mettre en ordre, voit monde qui pas obligé à acheter et un micro pour dire des mots. Tout ça qui investit pour rendre la parole accessible à tout haïtien, tout responsable de médias. Parce que pour moi, c'est un plus gros réseau d'éducation que le pays a gagné. C'est radio, c'est télévision, et monde qui maîtrise les technologies pour diffuser l'information sur Internet. Je vous remercie. Donc, merci en pile à nous toutes. Et puis, avec nous toutes, et positivement, Haïti a progressé. Donc, en nous mettant ensemble pour nous faire ça possible. Merci en pile. Merci, Docteur Mathurin et Monsieur Beauvais. Franchement,
grand merci d'être que nous t'avons participé dans l'émission ça avec nous qui c'est porte-voix d'Haïti. Moi salue notre docteur. Ah moi pour dire nous merci. Merci chère madame. Oui. Et ben à bientôt. À bientôt. Oui. D'accord, merci. À bientôt. À bientôt. D'accord. Bonjour. Oui.